Bonjour, c'est ADSL Ouba et aujourd'hui je vais vous expliquer le code d'un ordinateur qui vous permet de vider votre inventaire de façon intelligente. Donc pour l'épisode 49, j'ai réalisé ce petit ordinateur qui va cleaner son inventaire, donc envoyer dans, le contenu de notre inventaire dans notre stockage ME, donc d'appli énergistique, de manière intelligente en laissant tous mes items utiles et mon armure. Pour ça, voici le code. Il vous faut Peripheral++, parce qu'on va utiliser à la fois une chatbox et un player interface. La chatbox est cachée là-haut. Et puis l'interface, la chatbox, en plus elle est vraiment, je vais vous la montrer, pour que ce sera plus simple. Tac, là voilà. Hop, chatbox, de Peripheral++. Donc il faut ces deux items et votre ordinateur. Bien sûr, le passbin est présent dans la description. Donc pour faire un passbin, vous faire passbin get, le code qui est présent dans la description, c'est pas celui-là, et startup, vous faites entrer, ça va télécharger mon programme et vous le mettre dans votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à faire un edit startup pour le modifier. Ce code fonctionne en multijoueur à peu près, normalement, en fonction des configs, il peut des fois planter, il faut faire attention. Le périphéral, donc on commence directement dans le code, c'est parti, périphéral find, donc on ajoute les périphériques utilisés, donc je pourrais mettre les deux côte à côte, ça serait plus simple. On va donc rajouter, et on appellera PI, le player interface, et chat pour la chatbox. Ensuite, il y a des petites configurations à faire pour ce qui concerne la player interface. La première configuration, c'est lui donner l'orientation du coffre dans lequel on va envoyer des items. Tous les items qui vont quitter mon inventaire vont partir dans un coffre, qui lui-même partira dans mon apply. Donc moi je suis passé par un under storage qui est vidé plus loin avec un item. Je récupère mon petit bloc qui est là. Voilà, et pour ça il va falloir lui donner la direction. Vous voyez, j'ai le F3 activé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du F3. Je me mets à côté de mon player interface et je regarde vers où je regarde, et donc je regarde vers le nord. Donc du coup, je vais devoir configurer nord. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Set output, donc la sortie, le side, c'est le nord. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra que vous modifiez en fonction de où est votre coffre chez vous. Ensuite, maintenant, je vais configurer, je vais me lier avec l'interface de mon joueur. Pour ça, il faut une permission card de Peripheral++, qu'il faut shift-click pour, clic pour la configurer. Vous voyez, elle est marquée ready, already linked, et shift-click pour l'autoriser à, mettre l'autorisation de manipulation. Alors attention, parce que quelqu'un qui vous chipperait cette carte pourrait du coup vous faire des jolies blagues, parce qu'il pourrait interagir avec votre inventaire, donc pensez à mettre tout ce système dans un endroit un petit peu discret. Si vous jouez en multijoueur. Ensuite, je configure donc le joueur avec lequel ça va interagir. Donc d'ailleurs, j'ai mis dans le mauvais sens, là, ça ne peut pas fonctionner. Hop. Voilà, donc je configure le joueur et je crée une variable qui va récupérer en gros un tas de fonctions qui va interagir avec mon interface via getPlayerInventaire. Donc c'est ce qu'on appellera moi, c'est mon inventaire. Quelques petites variables et fonctions utiles autour autour de la sauvegarde, parce que l'idée c'est que à chaque fois qu'on va manipuler l'inventaire, on va sauvegarder les items à garder et les items à envoyer dans l'EME. Pour ça, en fait, je vais générer automatiquement via le programme une liste des objets qu'on envoie, des objets qu'on n'envoie pas. Donc ça, c'est la liste de ce qui est configuré chez moi au fur et à mesure. Vous allez voir que ça se fait automatiquement. Et donc ce qui est en true, c'est ce qui est gardé, et ce qui est en false, c'est ce qui est renvoyé dans l'AME. Hop. Donc pour ça, je crée une variable item et une petite fonction charge et memo qu'on a déjà vu dans des programmes précédents, qui vont donc ouvrir le fichier item dedans et qui vont récupérer tout ce qui est dedans et le fermer. Et pareil pour sauvegarder, ils vont ouvrir tout ce qu'ils vont ouvrir et vider et enregistrer. D'ailleurs, ça me fait penser que quelque chose qu'il faut faire aussi, c'est chez vous faire un edit. Oui, tu y arrives. Item avec un S, entrée. Alors moi, j'ai tout un programme, mais vous, ça sera vide. Faire accolade ouverte, accolade fermée, juste ça, et sauvegarder votre fichier. Voilà. OK. Ça, une fois que c'est fait, donc en fait, ici, je vais récupérer
tout ce qui est présent dans mon fichier item, donc d'où le fait d'importance pour vous de créer un fichier vide avec juste une accolade qui s'ouvre et une accolade qui se ferme pour qu'il considère que votre tableau est vide et qu'il existe. Ensuite, nous allons. J'ai créé une petite fonction d'attente, ça c'est pour le multijoueur tout simplement. Quand un joueur va lancer une commande façon PFR++, c'est-à-dire que moi chez moi c'est configuré sur ce symbole-là, un anti-slash, je vais vérifier que le joueur qui a fait cet anti-slash est bien le joueur configuré, donc player qui est bien égal au joueur, et si c'est le cas, j'envoie l'argument 1. L'argument 1 dans PFR++ de la checkbox, c'est la commande en tant que telle. On verra à quoi ça nous sert un peu plus tard dans le script. Ensuite, si j'ai une boucle infinie qui est le cœur du programme, donc ça va tout le temps attendre les commandes des joueurs. Et si c'est bien le joueur cible qui a fait la commande, on va avoir différentes fonctionnalités. On va regarder la première, la plus importante du programme, c'est la fonction pour vider, donc celle qui va cleaner. Donc vous pouvez mettre clean si vous voulez, mettre le nom que vous voulez ici, si vous voulez changer le nom de cette commande. Cette commande, la voici. Elle va se passer en deux étapes. La première, elle va scanner notre inventaire, regarder les items qu'elle connaît et les traiter en fonction de ce qu'elle connaît, et mettre de côté tous les items qu'elle ne connaît pas, pour dans un second temps voir avec le joueur ce qu'on fait des items qu'on connaît pas. Donc pour ça, je crée deux variables, un tableau et une variable texte, pour stocker nos réponses, notre question et traiter de façon plus rapidement en fait. Les items qu'on connaît pas. Je fais une boucle alors qui commence à 0 parce que Peripheral++ bizarrement sur cet item là ne respecte pas le Lua et va faire un tableau qui commence à 0. On va faire un get stack and slot, donc pour connaître des informations sur les slots de mon inventaire. Sauf que mon inventaire, à moi, il est géré par Minecraft. Minecraft est développé en Java et pas en Lua. Et en Java, comme dans tout langage de programmation quasiment, on commence les tableaux à 0. Donc, du coup, on va fouiller de 0 à 39. Au-delà de 39, le programme va planter parce qu'il ne gère uniquement dans votre inventaire tous les slots présents dans l'inventaire plus ceux présents au niveau de l'armure, mais bien sûr il ne va pas gérer les bibelots, il ne va pas gérer encore moins celui-là, il ne va pas gérer ceux de Tinkers ni ceux de GalaxyCraft. Voilà. Donc je scanne tous les items et à chaque fois je récupère les infos sur l'item, c'est-à-dire on va en gros récupérer le nom lisible en français ou en anglais, le nom de programmation et la quantité. C'est les trois informations moi qui m'intéressent. Si votre slot est vide, il va renvoyer l'information nulle, en gros. Donc, la première chose que je fais, c'est vérifier qu'on est en train de regarder un slot qui contient des items. Pour ça, je fais un type sur la variable, et si c'est un tableau, ça contient des infos. Si c'est nul, ça contient pas d'infos, mais on ne le traite pas, on garde que ceux qui renvoient un tableau, et donc qui contiennent des éléments. Ensuite, je vais regarder, est-ce que cet item, on le connaît ? Donc si on le connaît, dans le tableau item, à la référence InfoName, donc au nom de programmation de l'item, ce que je vais l'appeler comme ça, vous voyez ce nom que j'ai fermé mon truc, mais c'est ces noms-là, chisel 2 points, donc en général c'est le nom du mode et le nom de l'item. Donc si à ce nom-là, j'ai une information, si je n'ai pas d'information à ce nom-là, il va renvoyer nul en termes de en type. Donc ici, on traite un item qu'on n'a jamais vu. Si on connaît déjà cet item, on va juste regarder, donc else if, si il est configuré sur false, sur faux. Si il est configuré sur faux, c'est qu'on ne veut pas le garder. À ce moment-là, on va utiliser la fonction retrieve from slot qui va envoyer un item de votre inventaire dans le slot, dans le coffre. Donc pour ça, il va récupérer le numéro du slot dans lequel il est, donc qui est configuré ici, et la quantité. Info.amount qui est présente. Donc en gros, il renvoie tout le slot. Donc, je peux mettre 64, ça fonctionnerait, mais là c'est plus propre. On lui donne la vraie quantité. Si jamais on ne connaît pas, on va stocker ces items dans nos deux variables de question. Liste question, comment je l'ai organisé? Tout simplement, je vais d'abord stocker le nom de l'item, enfin un tableau par le nom de l'item, donc info.name, vous voyez, et on va l'expliquer au fur et à mesure, mais si c'est la première fois que je vois cet item, il n'est pas présent dans ma liste de questions,
Donc il renvoie nul. Et donc on va créer cet item dans la liste de questions. Et on va lui donner, donc on va créer ça au nom de l'item et on va stocker les infos pour en fait surtout le display name réellement. Et on va stocker un tableau dans lequel on va avoir tous les slots où c'est présent. Pourquoi je fais comme ça? Tout simplement sur Minecraft, imaginons, je vais aller tac. Prendre je suis en train de travailler et du coup j'ai récupéré voilà plein de blocs comme ça, donc j'en ai deux. Au moment où je vais vider mon inventaire, je veux pas qu'ils me disent deux fois est-ce que je vide ça, est-ce que je vide ça, est-ce que je vide la terre, est-ce que je vide la terre. Non, tu me le dis, tu me demandes qu'une seule fois, ça me suffit. Donc pour qu'ils me demandent qu'une seule fois, ben je vais stocker le fait que j'ai trouvé cet item et ensuite dans ce stockage stocker le nombre de fois où j'ai trouvé l'item et à quel endroit je l'ai stocké, dans quelle quantité je l'ai trouvé. Donc pour ça, j'ai créé une première variable en disant ben j'ai trouvé cet item une fois et dedans je crée un tableau les endroits où je l'ai trouvé et donc c'est ici que je vais stocker donc dans ce tableau l'endroit où j'ai trouvé et à cet endroit-là dans quelle quantité je l'ai trouvé. Tout simplement. Ici, c'est je vais créer la variable de texte, textuelle, pour la question. Donc pour ça, si c'est la première fois que je trouve un item que je ne connais pas, ben, la question, c'est le nom de l'item. Si ce n'est pas la première fois, ben, je garde les précédents items, hein, parce que ce serait bête sinon. Je mets une petite virgule, un espace, et je mets l'item. En gros, ce bloc-là, ce if-là, il permet simplement de faire une présentation propre de l'affichage. Bon, il y aura peut-être façon de faire mieux, mais voilà. Donc, on a vu, tout ça, c'est si jamais j'ai pas trouvé l'item, j'ai donc listé tout ça. Et une fois que j'ai fait tout le tour de mon inventaire, donc il va déjà virer tout ce qu'il connaît, il va poser au joueur la question pour tout ce qu'il ne connaît pas. Donc, si jamais test question n'est pas égal à vide, donc il y a question, on va poser la question au joueur via le chat.tel. .tel, c'est envoyer un message à un joueur précis qui est défini dans le variable suivant, donc joueur. Pour pas que la question soit posée à l'ensemble du chat, parce que si vous jouez en serveur, les autres n'en ont rien à foutre. Et il va vous dire, est-ce que j'envoie tout, les items que j'ai, oui ou non. Donc il faut faire la commande oui ou la commande non. Petite chose à savoir sur Peripheral++, on va aller dans les configurations du mode Peripheral++ et directement à Chatbox. Si vous jouez en solo, c'est quand même bien de configurer ça. Si vous êtes en serveur, il faut savoir que vous êtes limité par ça. Donc c'est important de faire des tests pour savoir quelle est votre limitation ou demander à la personne qui gère votre serveur ce qui a été configuré et s'il peut modifier un peu les configurations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les choses moi que j'ai configurées, j'ai enlevé, vous voyez, unlimited vertical sur true, donc il n'y a aucune limitation verticale. Ce qui fait que ici j'ai mis faux, donc en gros ça plus le fait que ça soit true ici, il ne va pas être limité par ma position en hauteur dans la map. Pareil, on peut configurer le caractère qui définit que ce qui va être envoyé est une commande. Donc ici, chez moi, c'est par défaut, hein, c'est un anti-slash, contrairement au slash des commandes dans Minecraft. Hein, si je fais une commande dans Minecraft, que je fais un give, c'est ça. Mais là, c'est des anti-slash, et ça peut être modifié par le mec qui gère votre serveur, donc il faut vérifier que ça n'a pas été modifié, et vous pouvez vous-même le modifier si ça vous intéresse. De toute façon, ça ne modifie pas le script, parce que, enfin si, ça modifie ici, il faut mettre le bon caractère. Mais il faut le savoir. Autre chose qui sont intéressants, vous me l'avez demandé plusieurs fois, comment je fais, enfin moi, quand vous faites, des fois, votre chat box ne prend pas le nom qui est défini ici, moi il s'appelle inventaire, on verra dans l'exemple, mais parce que moi j'ai configuré cette variable sur faux, donc log coordonnées, et en gros cette variable force le nom de la chatbox comme étant les coordonnées. Par défaut, c'est sur true et c'est quand même plus pratique sur un serveur parce que comme ça, si une chatbox floue et envoie tout le temps des messages alors qu'on ne le veut pas, eh bien on peut aller voir où est la chatbox et lui dire de se la fermer en virant l'ordinateur tout simplement. Donc c'est pour ça que souvent c'est configuré sur true par défaut et que vous avez le nom. Mais si vous jouez en solo et que vous savez à peu près où sont vos ordi, vous faites les choses bien, bah vous pouvez mettre ici sur faux. Autre limitation, la distance. Moi, j'ai mis en -1, -1. Ça veut dire que c'est illimité. Mais par défaut, il y a une limitation de distance. Une chatbox ne va pas pouvoir écouter et parler sur l'ensemble du serveur. Donc, voilà. Moi, j'ai... Et en plus, donc ici,
j'ai mis 999, non, 999 de distance. En fait, si vous vous mettez ça, ça ne sera pas, ça sera limité à ce qui est dans la configuration. Si la configuration c'est je sais pas 50 blocs, et ben ça sert à rien de mettre 9000, ça sera 50 blocs. Voilà. Pour information, pour vous expliquer que ce que vous voyez ici est limité par ce qui est dans la config, donc c'est important de connaître vos configs et de voir aussi. Pareil, il y a une limitation assez drastique sur le nombre de messages envoyés par les chatbox sur un serveur. Par défaut, c'est configuré à un message par seconde pour l'ensemble des chatbox du serveur, donc du coup, les chatbox plantent si jamais on dépasse cette limitation. Donc il faut penser, dans votre config, à demander à augmenter un petit peu ce chiffre. En tout cas, si vous pouvez, voilà. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Je sais pas d'ailleurs sur. Non, c'est interface. Je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des limitations? Interface player, interface. Il n'y a pas de. Bon, il n'y a rien d'important à savoir sur ça. Voilà pour le principe. Ici, on a la fameuse fonction qu'on a vue tout à l'heure, texte égale attente. Donc, en gros, on attend la commande envoyée par le bon joueur. Donc, tant que ce n'est pas le bon joueur qui a envoyé une commande, on attend. Et quand c'est le bon joueur, on va réagir. Je vais virer ce petit print. On réagit. Si la commande envoyée est haut, ça veut dire que le joueur a dit oui. Si... Sinon, c'est que je me suis pas embêté. Hein. J'ai pas vérifié si c'est bien un non. Si c'est autre chose, hop, on considère que c'est non. C'était plus simple. Je trouvais ça, voilà, plus intéressant. Après, on pouvait très bien ici rajouter si argument est O ou argument est N, on retourne. Sinon, on attend encore. Si vous voulez. Être un peu plus précis et être sûr qu'il n'y a que oui ou non qui, enfin que O et N qui réagissent. Bon. Ceci étant dit, si le joueur a dit oui, il veut envoyer tous les nouveaux items qu'on a reçus, et il veut les envoyer dans l'inventaire. Donc, on fait une boucle de tous les items nouveaux. On définit que dans la liste des items, on définit que cet item-là est maintenant faux, donc maintenant n'est pas gardé, sera tout le temps envoyé par défaut. On ne demandera plus au joueur s'il veut le garder ou pas. Et on fait une petite boucle de l'IV list, donc en gros de la liste des slots où est présent l'item. Et on envoie tous les items de ce slot dans la quantité. Ça veut dire qu'il y a une petite limitation. Je vais donc ici, par exemple, faire un underscore vide. Mon ordinateur ne marche pas. Ah oui, je l'ai pas relancé parce que j'étais en train de vous montrer la configuration. Voilà, donc si je mets vide, il va me dire est-ce que tu veux envoyer les blocs démontables charpentier, oui ou non. Alors envoyez tous, il n'y en a qu'un. Et bien là, en gros, si je déplace ce bloc, ça veut dire que le béton n'est pas géré. C'est bizarre. Donc je lui dis oui, vas-y, envoie. Et bien voyez, il n'envoie pas celui-là. Tout simplement, j'en reviendrai après pour la suite, parce que je l'ai déplacé. Mais par contre, si je refais vide, vu qu'il sait que celui-là il doit le virer, il l'a viré. Alors, ça arrive des fois que quand vous regardez votre inventaire, on l'a vu tout à l'heure sur le béton, et on voyait encore le béton présent ici. Parce qu'il y a un petit souci des fois, c'est votre inventaire n'est pas actualisé au niveau graphique par Minecraft, donc vous avez l'impression d'avoir encore des items présents, et puis dès que vous en bougez un, mais hop, il y a tout qui disparaît. Voilà, donc c'est normal. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, voyons si le joueur a mis non. C'est-à-dire que le joueur a dit non, dans les listes que je viens de voir, il y a des items que je veux garder et d'autres que je ne veux pas garder. Donc, on va, du coup, ce qui va être le cas les premières fois, répondre un par un pour chaque item. Donc, je vous conseille la première fois de garder que les items que vous voulez garder. Et comme ça, vous pouvez plus rapidement répondre oui à tous les items. Voilà, donc, je fais la boucle de tous les items. Cette fois-ci, et je vais envoyer un message pour chaque item. Et donc pour ça, je vais dire, est-ce que cet item tu veux le garder, oui ou non. Donc là c'est tout envoyé. Donc si je mets oui, j'envoie tout. Alors que là, c'est si je mets oui, je garde. C'est vrai que c'est un peu inversé, faut se méfier. Je me fais avoir souvent en répondant non à celle-ci, alors que presque fallait que je mette, vous voulez tout garder. Mais dans la réalité, au bout d'un moment, on a plus envie de pouvoir tout envoyer vite fait que tout garder vite fait. Voilà. Donc, ici. D'ailleurs, je pourrais faire un truc. On va faire un truc en live. On va peut-être faire un truc en live. On va dire oui, non et
On va faire un dernier. On va rajouter un dernier. On va mettre un Q pour posez-moi la question. Ça peut être intéressant. Et donc du coup, on va faire ça. Si jamais la... Et donc on va dire, alors, gardez tout, comme ça, on... voilà. Si le joueur met oui, on met true à tous les items et c'est tout, voilà. Et si le joueur met non, on fait ce qu'on vient de dire. Ce sera plus intéressant. On sauvegarde à chaque fois, bien sûr, la variable item dans le fichier pour que la prochaine fois que le serveur va redémarrer ou que vous jouez en solo, que vous allez lancer votre partie, ben, vous n'ayez pas la question qui vous soit reposée, qu'il ait bien tout mémorisé. Si jamais donc le joueur n'a ni dit oui ni dit non, c'est qu'il a dit, il a posé, donc c'est qu'il veut qu'on lui pose la question pour tous les items. Ça, je trouve ça pas mal. Eh ben, donc on fait la boucle et on lui demande, est-ce que tu veux gagner cet item-là? Si le joueur, on attend, si le joueur dit oui, on met sur true. Et on s'arrête là. Si le joueur a dit non, eh bien on met cet item en particulier sur non et on boucle pour que tous les items présents à l'époque dans l'inventaire soient renvoyés. Et je sauvegarde. Une fois que tout ça est fait, j'annonce au joueur, c'est bon, ton inventaire est cleané. On pourrait améliorer, donc je vous ai dit, à vous de voir si vous voulez, dans l'attente. Ah, on va le faire ensemble parce que j'ai envie de faire les choses bien. Allez, donc l'argument 1 ici, donc on va attendre que ça soit égal à O, je vais y arriver, ou égal, hop, ou égal à N, ou égal à Q. Si c'est un de ces trois-là, on envoie. Sinon, on continue et la boucle continuera. Hop, comme ça sera propre. Au moins, on n'a pas de problème. L'autre chose qu'on pourrait faire pour vraiment faire mieux, c'est de refaire une boucle totale de tous les items ici et de chercher l'item en question pour être sûr que si le joueur a bougé les choses. Allez, on est fou. Au moins, on voit un petit peu ensemble. Du coup, ça paraîtra un peu de cligner. Tiens, on va. Pardon, excusez-moi. On va modifier un peu. Allez, on modifie. Ici, pardon, je suis passé en plein écran. On va changer. Comme ça, on va rendre le truc un peu plus léger. Hop, là, on met que ça. Là, on met ça. Donc, en gros, ici, si c'est la première fois que le joueur. Hop, on mémorise juste le nom. Ici, on fait la boucle, ça change rien. Si le joueur a mis non, cette fois-ci, on refait cette boucle-là. Voilà. On va garder ça, on va garder comme ça. On refait cette boucle. Y a pas de, voilà, tac. Et si le nom qui est là est égal à info name, alors on va mettre ça à la ligne comme il faut, hop, tu le jarcles. Et donc comme ça, tac, on fait pareil pour ici. Ok. Donc cette fois-ci, on a vraiment rendu le truc beaucoup plus propre. J'ai fait une erreur forcément hein, quand on fait des petites modifications en live. Donc ici, alors est-ce que c'était c'est or? Je sais plus en lua. Ouais, ça doit être or en lua. Hop. 73. 73 if alors, iname est égal. Égal, égal. Égal, égal. Hop. Ok. Donc là, ça veut dire que si je prends, par exemple, de la. Alors, je sais plus. Peut-être que la Terre s'est configurée. On verra bien. On va prendre un peu d'éléments divers et variés. Voilà. Que je lui dis. Vide mon inventaire. Est-ce que je veux virer toute la Terre, Terre cuite, donc il n'y avait rien. Puis que j'envoie ça ailleurs. Et que je lui dis. Est-ce que je veux garder? Non. Donc non pour tout. Ah, alors, non pour tout, ça ne fonctionne pas. Tiens, c'est intéressant. Ah, 73. Erreur, une 73. Iname, oui. Ah oui, j'ai oublié juste ça.
J'ai oublié de sécuriser que on parle bien d'un slot qui n'est pas vide, sinon ça ne fonctionne pas. Hop. Tac. Hop. Voilà. Donc là, il faut que je refasse vide, hein, parce que ça, il a perdu la question. Je lui dis non. 75. Qu'est-ce qui lui passe encore? Ah, quantité, bah oui. Quantité, c'est info. Amount. Alors, d'ailleurs, j'en profite tout de suite parce que j'y ai pensé 40 fois. C'est pas beau, vous voyez? Là, chaque fois que je fais une modification, je dois faire une modification sur les deux côtés. Ça, c'est nul en programmation. En programmation, qu'est-ce qu'on fait? On crée une fonction. On va voir comment on l'appelle après. On prend le code qui existe exactement de façon identique deux fois. Voilà. Et on pense, on réfléchit. Alors, est-ce qu'il y a des items qu'il faut? Ça, c'est un app. Donc, il faut envoyer iName et ça s'appelle. On va l'appeler vider item. Voilà. Et du coup, maintenant, je dis ici vider item iName. Et je dis pareil ici. Et comme ça, je fais qu'une modification de correction d'erreur une seule fois. Hop. On recommence. Donc, vider. Et donc là, ah bah tiens, j'ai bougé. Je suis un petit con, j'ai tout bougé. Presque tout d'ailleurs. Est-ce que je vais garder? Non, je vais pas garder. Hop, il les a supprimés, malgré que je les ai bougés. Nickel. Notre petit programme a été grandement amélioré. Ouais, c'est cool, comme ça au moins, ce sera très propre. Alors, pour vous montrer l'exemple des questions posées une par une, on va prendre des anti-blocs. Je pense que je les ai pas encore clinés. Hop, on va faire un petit vide. Ah bah si, je les avais déjà fait. Dommage. Hop, on prend des blocs de déco. Random. Vider. Et donc, je veux qu'il me pose la question. Voilà. Comme ça portera de vérifier que tout fonctionne. Non, tu veux pas me poser la question pour chaque bloc? Pourquoi? Il y a une erreur, ligne 85. Alors, 85. Ah bah oui. J'ai modifié cette fonction, cette façon. Là, c'est le nom en français, enfin en tout cas en lisible, qui apparaît maintenant. C'est plus léger en termes de choses qu'on stocke. J'avais oublié ça. Donc, je vide. Je fais la question. Est-ce que je garde le bloc de tôle? La réponse est non. Est-ce que je garde le bloc arcanique? La réponse est non. Mon inventaire est clean, c'est bon, il a fait le tour des nouveaux items. Voilà, donc ça fonctionne, au moins on est sûr. Dernière petite chose que j'ai rajoutée, qui n'était pas présente pendant l'épisode, c'est cette fonction-là. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est quoi? Va tout simplement nous permettre de récupérer via getInSlot les informations sur l'item. Ça va nous donner le nom de l'item en français, de manière à savoir de quoi on parle, le nom de l'item, enfin d'être sûr qu'on ait bien choisi le bon slot, le nom programmable et la configuration dans le programme. Par exemple, si je lui demande c'est quoi en 3, donc en 3 il me dit que c'est le terminal sans fil, que son code c'est app.config2.item.tool, hein, et que sa config est sur tool. Ça me permet quoi? Ça me permet 1 de vérifier que on le garde ou pas, grâce à la config, et de connaître aussi son code réel pour soit le retrouver ici, dans item, bref, j'ai fermé, soit pour retrouver pour avoir son nom si j'en ai besoin pour programmer. Parce que je suis en train, par exemple, de modifier les recettes dans mon pack pour que les nouvelles recettes soient modifiées, parce qu'il y en a qui sont en conflit, donc je vais pouvoir en supprimer ou en modifier. Donc j'ai besoin de ce code-là, donc comme ça je peux le trouver facilement. Et j'ai une fonction garder et une fonction ranger qui sont assez proches. La différence, c'est qu'il y en a une qui va mettre sur true et l'autre qui va mettre sur false. Et du coup, on va demander au joueur, en fait, le joueur va dire, ah ben finalement, parce que je me suis bourré l'autre jour, je voulais garder cet item et je l'ai mal configuré. Eh ben l'item, je veux le garder, donc je vais garder 3. Et du coup, il me dit, ok, le terminal sans fil, maintenant on le garde.
Donc, la prochaine fois que je vais vider, il va le garder. Et inversement, avec ranger, où bah, du coup, il va ranger l'item la prochaine fois qu'on va le voir. Juste un petit faux, pourquoi j'ai mis un moins 1 ici? Tout simplement parce que j'ai choisi d'utiliser comme chiffre le même chiffre que celui au clavier. Vous voyez, là, je passe de mes items en appuyant. Là, j'appuie sur le 1 de mon clavier, j'ai le premier item. J'ai pas l'item 0. Alors que dans la programmation, c'est l'item 0. Donc, du coup, je mets un moins 1 pour que l'utilisateur puisse, enfin, pour que vous puissiez utiliser le chiffre 0 et pas le chiffre moins 1. Voilà, sur ce, j'ai fini. On a fait un peu de code en même temps. C'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode parce que j'ai eu des problèmes de micro, j'ai eu des problèmes de code que je trouvais pas du tout propre et j'ai supprimé mon enregistrement sans faire exprès. Donc j'espère que j'ai été clair, que le code est vraiment nickel. Moi, ça, il me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour vous remercier. Posez vos questions en commentaire si vous en avez. Hein, c'est fait pour. Et à partager parce que plus on est fou, plus on construit. Allez.